Jean Spinette, bourgmestre de la commune de Saint-Gilles au centre de Bruxelles. Je suis ici dans le cadre du partenariat que nous avons avec la ville de Berkane, où nous faisons des échanges de compétences et depuis de nombreuses années déjà. Moi, j'étais plus venu depuis 12 ans, mais mes collègues venaient régulièrement et je suis maintenant nouvellement bourgmestre, donc l'équivalent du président du conseil. Ici, j'ai découvert une ville qui a beaucoup évolué dans plein de domaines, de la digitalisation, du développement des boulevards, des infrastructures et des échanges que nous avons faits dans l'action sociale, l'émancipation des femmes par la formation, l'accompagnement de projets d'entreprise. J'ai été très impressionné par du développement digital qui se fait à Berkane et des projets qui sont en cours. Ce matin, j'ai même visité la société d'empaquetage de Berkane. Je suis comme un enfant. Ici, il est marqué, ici c'est Berkane, à Saint-Gilles, l'Union Saint-Gilloise, c'est ici c'est Saint-Gilles. Et à Saint-Gilles, on a de très nombreux Berkanais qui sont des supporters de Berkane et de l'Union Saint-Gilloise. Et donc pour moi, c'est un moment un peu comme un enfant. Je suis au stade tous les dimanches, et d'ailleurs dimanche, on a un match important à l'Union, j'y serai. Mais je suis ce soir avec les supporters de Berkane. Ah, c'est un de mes rêves, évidemment. Mais avant ça, je suis même sûr que l'école des jeunes de Berkane, qui est magnifique, et l'école des jeunes de Saint-Gilles devront faire des échanges. On a de nombreux joueurs, y compris aussi des jeunes garçons qui jouent et des jeunes filles qui jouent à la Renaissance forestoise. Elle s'appelle Renaissance et elle joue en noir et orange à Forêt, la commune juste à côté de Saint-Gilles. Donc on a vraiment un lien très fort entre la Renaissance et la Renaissance. Merci, vous.